ici se trouve en fait là, oui, le véritable centre de notre galaxie. Et on présume que en cet endroit-là se trouve localisé un trou noir. Mademoiselle, what? On a pensé à cette coupe. Alors, vous voyez cette distance que j'ai présentée représente là, oui, une année-lumière. Donc la distance parcourue par la lumière en un an. Et alors, au moyen des télescopes, disons, de plus en plus puissants et, disons, dont la résolution angulaire est de mieux en mieux, on a pris, vous voyez, un grossissement donc, de cette région centrale. Vous voyez ici représenté justement 20 jours-lumière. Donc là, c'est une année, 360. Ici, c'est 20 jours-lumière. Et puis, il semblerait que le centre de notre galaxie coïncide à peu près, oui, avec la position de cette étoile. Mais c'est une étoile. Alors, on se dit, mais c'est pas possible que, disons, le centre de notre galaxie soit représenté par une simple étoile. Alors, les astrophysiciens ont pris des images en fait, de cette région-ci pendant quelques dizaines d'années. Et puis, ce que l'on voit, ici, c'est que cette étoile, oui, présente en réalité, oui, un mouvement, donc astrométrique, représenté par cette ellipse. Donc, c'est l'étoile qui bouge autour de la centre que l'on ne voit pas. Mais étant donné qu'on parvient à déterminer précisément cette orbite, on peut en déduire, oui, quelle est la masse de l'objet responsable, oui, de cette trajectoire de l'étoile autour du centre. Et alors, on trouve que c'est en fait un objet très très massif, invisible, qui pèse à peu près 2 millions de masses solaires. Donc, un objet invisible, situé ici, disons, le centre en fait est ici, oui. Donc c'est une orbite très, très excentrique, mais qui est tout à fait invisible. Sauf à certains moments, je veux dire, il semblerait qu'effectivement ce soit vraiment un trou noir qui, de temps en temps, avale des étoiles dans son voisinage. Et en les avalant, en fait, il y a des forces de marée terribles, des forces de friction, qui émettent, disons, qui sont sources d'énergie lumineuse que l'on peut voir. Donc, même notre galaxie, il semble donc bien posséder en son centre, en fait, un trou noir. Alors, un trou noir, hein, de façon très simplifiée, ce que c'est que lorsque, si j'essaie de m'échapper de l'attraction gravitique, hein, ici à la surface de la Terre, bon, je saute, je retombe. Donc, ma vitesse, hein, disons, d'échappement n'est pas suffisamment élevée. Il faudrait, en fait, que j'ai une vitesse à peu près de 9,8 km par seconde, oui, pour pouvoir me libérer du champ de gravitation, hein, de la Terre. Alors, si la Terre était beaucoup plus compacte, hein, donc le rayon beaucoup plus petit, eh bien, cette force sera encore beaucoup plus grande, hein, parce que la force de gravité est en 1 sur R carré. On peut se dire, mais tiens, et à quoi correspondrait le corps, hein, qui serait tel que la vitesse d'échappement devrait être celle de la lumière. Vous voyez, d'accord? Donc, on peut imaginer, oui, que la Terre devient de plus en plus compacte, et finissent, disons, par conduire une vitesse d'échappement qui est de l'ordre de la vitesse de la lumière. Bien, on appellerait cela un trou noir, parce que même la lumière ne pourrait pas s'en échapper. D'accord? Donc, au sein de notre galaxie, il n'y a aucun doute, oui, il y a un tel corps, quoi, oui, qui, probablement, au départ, oui, ne devait pas peser bien lourd, mais à force d'avaler tout ce qui passe dans son voisinage, est en train de grossir, devenir, disons, plus vite. Alors, aujourd'hui, ce que je vais faire, là, oui, je vais commencer, en fait, le chapitre sur la relativité restreinte. Et, en fait, c'est une présentation, disons, assez intuitive de la relativité restreinte, donc qui évite, en fait, de manipuler trop les équations. Donc, une approche, oui, comme je l'ai dit, disons, un peu visuelle, donc, de la relativité restreinte, avec les effets de dilatation du temps, contraction de longueur, enfin, des effets aussi un peu étranges. Alors, ceci veut simplement dire que ce n'est pas du tout de la magie, hein, vous allez voir, ça correspond à une réalité tout à fait physique. Alors, lors de la séance prochaine, là, oui, je vais présenter alors les enseignements physiciens, donc l'approche de la relativité restreinte, mais d'une façon plus formelle, au moyen de, disons, comme l'avait fait Einstein, au moyen simplement d'un formalisme mathématique. Alors, si les mathématiciens, là, oui, je ne sais pas si vous avez cours la semaine prochaine, mais si vous préféreriez, là, oui, voir l'approche, disons, plus formelle, quoi, vous êtes le bienvenu, bien entendu.
sans quoi, disons, la présentation que je ferai la semaine prochaine, quoi, se trouve aussi dans le livre que je mettrai en ligne d'ici quelques heures. Alors, voilà. Cette section s'appelle la recherche de la vitesse réelle de la Terre dans l'espace. Alors donc, on sait que la Terre tourne autour du Soleil, oui. Alors avec une vitesse qui est de l'ordre d'environ 30 km par seconde. Et alors pour les anciens, là oui, les anciens, eux, ils ont prétendu que toute sensation de mouvement, quoi, oui, enfin tout moment doit être accompagné d'une sensation de mouvement, oui, d'une sensation particulière. Ils disaient, voilà, qu'on est sur la Terre et qu'on ne ressent rien du tout, oui, c'est que la Terre est immobile, oui, que la Terre est probablement le centre de l'univers. Alors, pour Galilée, lui, il fait des expériences, vous rappelez, le principe d'inertie, il dit, voilà, il est impossible, par une quelconque expérience de mécanique, de prouver que vous êtes dans un système inertiel en mouvement ou au repos, oui, d'ailleurs par rapport à quoi, oui. Donc il dit, ben voilà, donc même si notre Terre se déplace en fait de façon rectiligne ou uniforme, oui, vous ne pourriez jamais le ressentir. Alors Newton, oui, bon évidemment, oui, adhère à ce principe d'inertie, oui, mais est persuadé qu'il y a en fait un système de référence privilégié, donc absolu. Alors je crois que Newton l'imagine comme étant, disons, fixé par le centre du Soleil, avec des axes dirigés vers les étoiles. Il dit, voilà, ça c'est probablement un système d'inertie absolue. Alors, pour Newton, oui, la lumière, oui, est probablement composée de particules élémentaires, qu'on appelle aujourd'hui les photons, qui se déplacent, oui, donc, par inertie, tout simplement. Mais, comme vous le savez, au XVIIe siècle, quoi, oui, prévaut, quoi, oui, je dirais, la déception du retour de la lumière. Donc, Huygens, hein, suite à des expériences de diffraction, quoi, oui, est convaincu en fait que la lumière consiste en des ondes sphériques, oui, qui se propagent dans un milieu, leur milieu qu'il va appeler l'éther. Oui. Effectivement, il y a des expériences de diffraction où on fait interférer des ondes, où on voit bien que la lumière a probablement un aspect tout à fait ondulatoire, mais pour se propager, non, on a besoin d'un milieu. Hein, et donc, il imagine qu'il existe un milieu immatériel, lié au vide probablement, rigide, oui, et qu'il appelle l'éther. Alors, de plus, on imagine très vite, hein, que cet éther, oui, est peut-être en fait lié à l'espace absolu de Newton, hein, ce qui est probablement vraisemblable. Alors, Michelson et Morley essaient de mettre en évidence, oui, donc, l'existence de cet éther, en se disant, ben voilà, comme la Terre, hein, tourne autour du Soleil, bon, elle se déplace probablement par rapport à cet éther, et donc on devrait parvenir, en moyenne expérience, de mettre en évidence donc l'existence de cet éther, et ce qu'on appellera d'ailleurs le vent d'éther. Alors le vent d'éther, c'est comme si par exemple, disons, une voiture ou bien une moto se déplace dans l'air, et bien que lorsque vous déplacez par rapport à l'air, vous ressentez en fait un vent. Hein, donc le vent d'éther, c'est un peu différent. Alors, Michelson et Morley conçoivent une expérience, disons, très astucieuse, hein, qui est la suivante. Ils se disent, voilà, on va le long d'un bras, là, oui, émettre un faisceau lumineux, et puis le faisceau va se propager depuis une source jusqu'à un miroir, puis on va la faire revenir, et puis on va faire la même chose, mais suivant une direction perpendiculaire. Ils disent, voilà, suivant que un des bras sera orienté dans la direction, disons, de mouvement de la Terre, hein, par rapport à l'éther, oui, eh bien, la vitesse de la lumière devrait s'additionner, oui, à la vitesse propre de la Terre, et dans l'autre cas, si on est perpendiculaire, bon, évidemment, les vitesses ne vont pas s'additionner, la composante, hein, suivant cette direction-là, sera même. On va essayer de mettre en évidence, justement, donc, cette composition des vitesses. Donc voilà l'expérience, c'est un interféromètre qui consiste en fait ici en une source lumineuse, hein, donc un laser par exemple, enfin typiquement c'était une lumière monochromatique, disons à une longueur d'onde d'environ 5890 angstrom, donc la longueur d'onde en fait d'une raie de sodium. Alors le faisceau, vous voyez, passe ici à travers un miroir semi-réfléchissant. Alors, il y a une partie donc, qui passe au travers, il y a une autre partie qui est réfléchie.
vers la gauche. Alors, le faisceau arrive ici sur un premier miroir, qui n'est pas tout à fait perpendiculaire au faisceau, si bien que le faisceau, vous voyez, va être renvoyé sur le côté. Ici, un autre miroir, qui n'est pas non plus tout à fait perpendiculaire, il renvoie le faisceau, et voilà, le faisceau arrive jusqu'en E. Alors là, le miroir est mis parfaitement perpendiculaire au faisceau, donc au rayon incident. Donc il est réfléchi sur l'image, il revient en arrière, jusqu'à revenir sur ce petit miroir semi-réfléchissant, et une partie va être dirigée vers la lunette. D'accord ? Alors, la longueur de ce bras-là, pour la LED, c'est, je pense, 11 mètres. Donc, un aller-retour, ça fait 22 mètres. Alors, suivant la direction perpendiculaire, c'est pareil. Vous avez ici un premier miroir, pas tout à fait perpendiculaire, disons, au rayon incident, donc il renvoie le rayon, il réfléchit multiples fois. Et puis, ici, il est parfaitement perpendiculaire, le rayon revient en arrière. Et rejoint, vous voyez, le faisceau qui revient suivant l'autre bras. Alors, si au départ, donc en ce point-ci, lorsque les deux faisceaux sont envoyés vers les miroirs E et D, l'onde, suivant les deux rayons, disons, vibre en phase, si les longueurs des chemins géométriques sont exactement identiques, lorsque les deux faisceaux vont revenir, ils vont encore revenir en phase. Et les amplitudes donc, vont s'ajouter. Donc, lorsqu'on va regarder, disons, dans la lunette, on va voir en fait un maximum de lumière. Si la différence entre les chemins géométriques, suivant les deux trajectoires, diffère d'une demi-longueur d'onde, oui, les ondes vont revenir en opposition de phase, oui, et les amplitudes vont s'annuler. Et donc on devra avoir un minimum. Donc on parvient, je dirais, grâce à ces expériences, oui, de mesurer bon, l'égalité entre les chemins ou une différence d'une demi-longueur d'onde. Oui. Et si on traduit cela en temps, donc ça correspond à un décalage temporel de combien ? Bien, une période de vibration de la lumière, T, ben, c'est égal donc à la vitesse de la lumière divisé par... Alors, c'est juste ça. Non, la période T, c'est la longueur d'onde divisée par la vitesse de propagation. On est d'accord ? Lambda sur C. Si vous prenez la longueur d'onde du sodium 5800 m/s, la vitesse de la lumière 300 m/s, vous trouvez en fait que la période d'une oscillation de l'onde vaut à peu près 10-15 secondes. D'accord ? Alors si maintenant on combine sur une distance de 22 mètres, bah oui, donc on additionne, si vous voulez, à la vitesse de la lumière, la vitesse orbitale de la Terre autour du Soleil, qui fait seulement 30 km/s. Et si dans un autre cas, disons, on n'ajoute pas cette vitesse, on ajouterait zéro, on verrait que la différence de temps que mettent les faisceaux pour revenir en ce point-là, le léger décalage temporel, ce serait de l'ordre de, je crois, 3.7×10⁻⁵ secondes. Oui. Donc en fait, c'est une... Bon, petite fraction de la période de vibration de l'onde lumineuse. Or, on parvient avec ces expériences de Michelson-Morley, oui, à mesurer, je dirais, à peu près 1 centième de la période de vibration de l'onde. Oui, donc, on peut typiquement avoir une précision de l'ordre de 10⁻⁷ secondes. Ce qui veut dire que si on essaie de mettre en évidence un décalage temporel de 3,7×10⁻⁵ secondes, on devrait parvenir sans problème. Lorsque Michelson et Morley font cette expérience, oui, donc ils disposent en fait l'interféromètre sur un bain de mercure, donc ça flotte, parce que la densité du mercure est très élevée. Alors ils stabilisent leur expérience et donc envoient un faisceau de lumière suivant deux directions. Ils essaient de voir ici si en fait il y a une frange brillante ou bien une frange sombre. Donc, ils égalisent la longueur des chemins pour être sûr que, tiens, par exemple, ils voient une frange brillante. Et puis, ils tournent leur expérience de, par exemple, 90 degrés ou de 45 degrés. Et puis, ils regardent encore pour voir si, effectivement, on voit bien un passage de la brillance maximale vers une brillance minimale. Et ce qu'ils observent, c'est que, quel que soit l'angle de leur expérience, oui, ils observent toujours une frange blanche. Donc, ils ne parviennent jamais à voir, en fait... une composition, si vous voulez, de la vitesse de la lumière avec la vitesse orbitale de la Terre par rapport à l'éther. Donc, ça, c'est un problème. C'est un problème à la fin du 19e siècle, un grand problème de la physique qu'on ne parvient pas à expliquer, à rendre compte.
Et donc, il y a plein d'hypothèses qui sont émises. Par exemple, l'hypothèse la plus simple, c'est de se dire, mais tiens, c'est peut-être que l'éther, oui, se déplace avec la Terre. Oui. On se dit, effectivement, si l'éther se déplace avec la Terre, autour du Soleil, eh bien, on s'attendrait évidemment à, quelle que soit l'orientation de l'expérience, qu'on voit toujours, d'accord, une frange brillante, étant donné qu'il n'y a pas de composition de vitesse. La vitesse de l'éther par rapport à la Terre est égale à zéro. Hein. Mais ça, c'est un point de vue très égocentrique, de dire voilà, que l'éther voyage avec la Terre, que la Terre est le centre du monde, le centre de l'univers. Hein, ça ne tient pas. Alors voilà, donc je schématise maintenant l'expérience de Michael Somerley et on va essayer d'en donner l'interprétation classique pour voir qu'il y a vraiment un problème. Donc, imaginez aussi une source de lumière, puis ici le mouvement semi-réfléchissant, donc qui va renvoyer après sur vers E1, le rayon va se réfléchir, va revenir vers la lumière F. Et puis, suivant l'autre bras, va être réfléchi par le miroir en D, et puis renvoyé dans la lumière. Donc, typiquement, je dis que la longueur du bras, ça vaut à peu près 11 mètres. Et, premier scénario, je prends, vous voyez, la vitesse d'éther qui est dirigée, en fait, suivant la diagonale, okay, donc une droite à 45 degrés. Bon, alors, on comprend bien intuitivement que la composante du vent d'éther sur cet axe-là, ce sera la projection de ce vecteur-ci sur cet axe. Et puis, selon notre direction, ce sera aussi la projection, mais comme on a toujours cosinus de 45 degrés, on va trouver exactement la même composante. On s'attend, dans ce cas-là bien précis, à ce que si, lorsque le rayon arrive ici, les ondes qui sont envoyées vers E1 et vers E2 vibrent en phase, lorsqu'elles reviennent, si les longueurs des deux bras sont vigoureusement égaux, eh bien, les deux phases vont encore vibrer. Les deux ondes vont encore vibrer en phase, on va voir un maximum. Donc, la différence de temps, pour aller de B vers D revenir en B, ou bien d'aller de B vers B revenir en B, sont strictement égaux, les temps de polarisation sont strictement égaux, donc la différence de temps est égale à zéro. Donc, si je mets mon œil dans la lunette, je vois là un maximum de lumière. Là, on comprend très bien qu'il en soit ainsi. Bien entendu, maintenant, ce que je vais faire, je vais tourner mon interféromètre, par exemple, de 45 degrés pour que le vent d'éther soit, par exemple, parallèle à ce bras-là. Et là, je vais voir si je vais avoir une composition de vitesse, alors que là, je n'en aurai pas, étant donné que la composante de la vitesse suivant ce bras-là va valoir 0. Donc, ça, c'est le deuxième scénario qu'on envisage. Voici celui où le vent d'éther, oui, est dirigé suivant le bras BD. Alors, on va évaluer donc ce que vaut les temps de propagation du faisceau pour aller de B en D, puis de B en D, et ensuite de B vers E1, puis revenir en B. Donc, je vais mettre un peu de lumière. Et évaluons d'abord le temps BDB. Donc, le temps BDB. Alors, c'est égal à quoi? Je dis tout d'abord le temps que va mettre le faisceau pour aller de B en D. Donc c'est L divisé par la vitesse de la lumière, d'accord? Apparente. Alors, étant donné que la vitesse de la lumière, je suppose que dans l'éther, elle se propage avec une vitesse C. Mais là, j'ai une vitesse V qui va contre. La vitesse de la lumière, dont la vitesse apparente de propagation, on est d'accord, ça vaut que c'est moins V. Donc le temps pour les deux B en D, ce n'est rien d'autre que L divisé par C moins V. Plus le temps que va mettre le faisceau pour aller de D en B. Mais il a une vitesse C dans cette direction-là, qui va composer avec la vitesse d'éther. Donc c'est comme s'il avait une vitesse de V plus C. Donc ici je dis plus L sur C plus V. Alors ceci, c'est égal à quoi? Eh bien, je vais tout d'abord mettre L sur C en évidence, c'est L sur C qui multiplie 1 sur 1 moins V sur C, et ensuite plus 1 sur 1 plus V sur C. Alors je vais mettre ici
Donc, L sur C. Si je vais mettre sur le même dénominateur, 1 moins V sur C, multiplié par O plus V sur C. Donc en rouge, je vais recopier, ce sera 1 plus V sur C. Et puis, plus 1 moins V sur C. D'accord ? Donc ça va me faire, je vois que V sur C moins V sur C simplifie. Ça va me faire 2L sur C, multiplié par 1 sur 1 moins V carré sur C carré. D'accord ? Donc je vois que le temps que met la lumière pour aller de B en D en V, c'est 2L sur C. Alors 2L sur C, c'est en fait le temps, exactement le temps qu'aurait mis la lumière pour aller de B en T en D en B, c'est le pas de Vendetter. Hein, ce serait bien sûr la longueur divisée par la vitesse de la lumière. Mais il y a une petite correction de 1 sur 1 moins V carré sur C carré. Alors maintenant, calculons ce que vaut le temps que va mettre la lumière pour partir donc de B, aller en E et revenir en B. Étant donné que le vent vecteur souffle dans cette direction-là. Alors ce que l'on va faire dans le deuxième cas, là, donc je représente ici la vitesse de l'éther. Alors nous ce que l'on veut, c'est qu'en fait la lumière aille verticalement vers E, 1, et puis revienne au point B, ici. Alors, pour qu'il en soit ainsi, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois dire que si j'envoie mon faisceau avec cette vitesse-ci, donc que je vais appeler C, vu que c'est la vitesse de déplacement de la lumière par rapport à l'éther, je vois bien que ce vecteur-ci plus ce vecteur-là, ça va bien me faire un vecteur vertical. Si bien que la vitesse apparente, qu'est-ce qu'elle va valoir dans ce cas-là? Eh bien, donc C, c'est ceci, bien entendu. Donc, la vitesse apparente, ce sera bien entendu cette amplitude-là. Donc, appliquons la règle de Pythagore, je vois que C carré, ce sera égal à V carré de l'éther, vitesse de l'éther, plus V carré, vitesse apparente, d'où je tire que la vitesse apparente, le module de la vitesse apparente, ce n'est rien d'autre que la racine carrée de C carré moins la vitesse de l'éther au carré. C'est ce que j'appelle V en fait. D'accord ? Autrement dit, donc ça c'est la vitesse apparente de la lumière lorsqu'elle va se déplacer de façon verticale en composant ces deux vecteurs vitesse. Alors le temps donc va mettre la lumière pour aller de B en E1 et revenir en B. Bien c'est égal à la longueur du bras aller-retour, c'est-à-dire 2L. Et divisé par la vitesse apparente. Et la vitesse apparente, vous êtes d'accord? Je vais dire, c'est C fois la racine carrée de 1 moins V carré sur C2. Donc j'ai simplement mis ici un C en évidence, je dis, c'est C qui multiplie 1 moins V carré sur C carré. Donc je divise 2L par cette vitesse apparente. Voici ce que je trouve. Et je vois qu'en fait, les deux temps ne sont pas égaux. Ce qui veut dire que mes deux faisceaux, si le vent d'éther est bougé suivant le bras BD, eh bien les temps par contre ne peuvent pas être égaux, donc je vais avoir un retour, je dirais, un retour simultané de mes deux faisceaux au point B. Alors, qu'est-ce que vaut l'intervalle, la différence entre ces deux temps que je viens d'évaluer, bien pour trouver la réponse, ce que je vais faire, je vais développer en fait en série Taylor ces deux expressions connues pour les temps de parcours.
Alors, comment je vais faire? Et tout d'abord, donc, je dis, voilà, quand je vais taper, hein, j'essaie de taper, mais bien donc, le temps, par exemple, de voler de B en V dans mon C, moins le temps, voler de B en E1, de venir en B. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à 2L sur C, multiplié par 1 sur 1 moins k carré sur c carré, phi moins ceci, moins 1 sur racine carré de 1 moins b carré sur c carré. Donc ce que j'aimerais bien faire, là oui, je sais que v sur c, hein, la vitesse donc de l'éclair est petite par rapport à la vitesse de la lumière. Donc ceci, c'est évidemment une quantité très petite par rapport à 1, de même que dans ce dénominateur. Donc je vais développer en série de Taylor, je dirais, ces deux fractions. Alors, évidemment, en série de Taylor, je vais le faire sur notre tableau. Donc tout d'abord, 1 sur 1 moins b carré sur c carré. Donc, et ensuite, 1 sur la racine carrée de 1 moins v carré sur c carré. Parce que je fais, je pose, hein, x est égal à v carré sur c carré. Et donc, je dois développer tout d'abord 1 sur 1 moins v carré. D'accord? Donc, cette première quantité. Donc, je dis, voilà. Donc, cette fraction où x, hein, je suppose, qui est très petit par rapport à 1, je dis tout d'abord que c'est la valeur de la fonction en x égale 0. Donc 1 plus petit x sur factoriel 1 fois la dérivée de cette fonction. Donc ça va me faire moins 1 sur 1 moins x au carré fois moins 1. Et ceci va lui en x égale 0. Alors 1 sur 1 moins x au carré, hein, moins 0, ça va faire 1. Si bien qu'en définitive, donc le développement série Taylor de 1 sur 1 moins x, parce que x est très petit, hein, par rapport à 1, ça va faire à peu près 1 plus x. Donc maintenant, je fais l'autre, je fais 1 sur la racine carrée de 1 moins x. Alors là c'est pareil, je dis d'abord la valeur de la fonction x égale 0, ça fait 1, puis plus x sur factoriel 1, fois la dérivée de cette fraction-là, d'accord? Donc ça va me faire moins 1 demi sur 1 moins x exposant 3 demi, puis fois moins 1. Donc, voilà, évolué en x égale 0. Alors, ici je vais avoir 1 demi, si bien au final je vais avoir que ceci c'est égal à 1 plus x demi. Maintenant, je vais remplacer dans ces résultats-là le x par v carré sur c carré. Donc, il vient, donc ici, x est égal à 2l sur c, multiplié par. Donc, le premier résultat, ça va me faire 1 plus v carré sur c carré. 1 plus v carré sur c carré. Et ensuite, moins ceci développé en série Taylor. Donc, ça va me faire moins 1. Et puis, moins 1 demi, v carré sur c carré. Là, c'est au premier ordre. Là, vous voyez que le 1 moins 1 se simplifie. Et là, comme ça, il va me rester uniquement 1 demi v carré sur c carré. Si bien qu'en définitive, ce serait égal à l sur c fois v carré sur c carré. Donc, je trouve que la différence de temps qui sépare, hein, le retour des deux rayons lumineux au point B, bon, est proportionnel à la longueur du bras, donc évidemment il faut que les bras, hein, soient suffisamment longs pour que je puisse mettre en évidence, je dirais, ce petit intervalle de temps. Et puis ça dépend de la vitesse de la Terre par rapport à l'éther. On sait que c'est de l'ordre de 30 km par seconde, hein, la vitesse orbitale de la Terre autour du Soleil, comparée à 300 000. Donc, lorsqu'on met ici, hein, 11 mètres, on trouve en fait que le delta T
c'est de l'ordre de 3,7 moins 16 secondes. Or, je peux mesurer, sans aucun doute, des intervalles de temps grâce à l'interféromètre avec une précision qui est de l'ordre de 10 moins 17 secondes. Donc, je dois pouvoir vous mettre en évidence cet effet-là. Or, vous voyez, l'interprétation classique me dit, tiens, je dois trouver un décalage temporel de l'ordre de 3,7 moins 16 secondes. Or, ma question est mémorale font cette expérience, donc tourne leur interféromètre dans toutes les directions, et ils ne voient aucune disparition de la frange blanche. Donc, interprétation immédiate, c'est de se dire, mais tiens, probablement, c'est comme si l'éther se déplaçait avec la Terre. Mais je vous rappelle, ça c'était un point de vue très égocentrique. Donc, c'est probablement pas ça la bonne réponse. Là, une autre interprétation qui est immédiatement avancée par Fitzgerald et Lorentz. Alors, Fitzgerald, c'est un physicien irlandais, et Lorentz, c'est un physicien hollandais, qui d'ailleurs recevra un prix Nobel plus tard, pour autre chose. C'est de supposer, pour pouvoir rendre compte d'un delta t égal à zéro, oui, qu'il y a contraction d'un des deux bras, et essentiellement du bras qui est orienté parallèlement à la vitesse du vent d'éther. Donc il se dit, voilà, une façon simple de rendre compte de l'expérience, c'est de supposer que le bras qui est parallèle à la vitesse du vent d'éther, oui, se contracte par un effet bizarre. Alors c'est cette hypothèse-là, oui, bon, fait l'objet évidemment de publications scientifiques, mais elle n'est pas prise au sérieux, on se dit, mais d'où viendrait-il que finalement un interféromètre pourrait se contracter suivant un bras. Alors, pourquoi cette hypothèse-là est-elle intéressante? Alors, je vais vous le montrer ici. Donc, voilà l'interprétation par Fitzgerald et Lorentz, c'est de dire, voilà, tout d'abord, le temps, dit-il, de parler de B en E1B, donc perpendiculairement à la vitesse du vent d'éther, hein, c'est bien 2L sur la racine carrée de C carré moins B carré. Et alors, le temps, par contre, pour aller de B vers V venir en B, B de B, il dit c'est 2L. Alors 2LC divisé par C carré moins V carré, on dit ça c'est correct, mais le L, eh bien en fait c'est la longueur initiale du bras qui s'est contractée de cette quantité, racine carrée de 1 moins V carré sur C carré. Donc c'est tout à fait ad hoc. Alors voilà, c'est une hypothèse. Alors si vous acceptez ce résultat-là, vous trouverez alors ici que ça va faire 2LC. Alors, multiplié par racine carrée de 1 moins V carré sur C carré. Oui, comme ceci. Et ensuite, divisé par C carré moins V carré. Alors, je vais mettre ici le C carré en évidence. Donc, il va rester que ce sera 2LC. Ensuite, sur C carré, que je multiplie la racine carrée de V carré sur C carré, divisé par 1 moins V carré sur C carré. Et on vous trouve au final que ça fait 2L sur C, fois 1 sur racine carrée de 1 moins V carré sur C carré. Exactement le temps que l'on trouve suivant l'autre bras. Ceci aussi est égal à 2L sur C fois, la racine carrée de 1 moins V carré sur C carré. Donc, de cette façon, on retrouve l'égalité entre ces deux temps-là et le delta T prédit est égal à 0. Donc, ça pourrait expliquer le résultat observé par Michelson et Morley. Hein. On voit bien que c'est tout à fait ad hoc, oui. Et pourtant, ce sont de grands physiciens, mais bon, ils aiment cette hypothèse-là. Donc c'est ce qui est, selon les diables de mes transparents. Et c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de Lorentz-Fitzgerald.
Alors ici, une petite réflexion d'Einstein, hein, qui mérite d'être lu, vous connaissez ce page, quoi. Donc oui, Einstein, lui, il est vraiment servi, il se dit, mais enfin, la nature a si bien fait les choses que probablement il n'aurait pas pu en être autrement, je veux dire, l'expérience Michelson. Oui. Donc à la recherche de la vitesse réelle de la Terre dans l'espace, donc mise en évidence de l'existence d'un éther, d'un espace absolu. Donc comment c'est tiré d'affaire. Alors, ce que je vais faire, moi je vais proposer maintenant une analyse hein, de cette expérience qui a vraiment une vertu explicative de bien comprendre intuitivement ce qu'est la relativité restreinte et ce qu'elle n'est pas. Donc voilà, ce que j'ai fait, je symbolise en fait l'espace absolu là, au moyen de deux rails, d'accord, d'un chemin de fer. Et puis alors voilà le quai avec des balises qui me permettent de baliser cet espace absolu. Donc ça, c'est ce que j'appellerais l'espace grand L, d'accord. Alors vous voyez ici, j'ai mis des unités, moins 2L, moins 1L, 0, 1L, plus 2L, plus 3L, etc. Où elles représentent en fait une unité de mesure qui peut être par exemple le centimètre. Ou par exemple, moi ce que je pense, c'est plutôt la seconde lumière. Oui. Donc c'est la distance parcourue par la lumière en une seconde. Donc vous allez voir, c'est bien commode. Alors, l'interféromètre, quoi, lui, je le représente par le wagon, donc système de référence L', qui se déplace par rapport à l'espace absolu avec une vitesse V. D'accord ? Donc, c'est la vitesse orbitale de la Terre autour du Soleil, par exemple. Oui. Alors, dans ce repère, L', alors, j'ai pris un wagon, en fait, dont les dimensions hein, sont en longueur 4 unités, donc 4L, et en largeur 2L. Alors le centre du wagon, ici, est représenté par O', donc dans L'. Alors en O', je vais mettre une source de lumière, et aussi un détecteur de lumière, qui va me permettre, par exemple, de calculer le temps que met la lumière pour aller dans l'endroit et puis revenir. Alors en M', je vais mettre, donc c'est une des extrémités du wagon, un petit miroir. En M', un autre petit miroir. En B', qui est situé exactement au milieu du wagon, un autre miroir. Et ce que je vais faire, à un moment donné, là, mon T' égale 0, je vais mettre un flash lumineux. Donc c'est une onde sphérique, bien entendu, qui va se propager. Et ce que je présente ici, ce sont des rayons, qui sont les intersections, hein, bon, des droites O', M', O', N', O', B', avec cette onde sphérique. Et je les appelle, donc vous voyez le rayon qui se déplace vers M', je l'appelle le rayon petit r, celui qui va vers B', petit i, celui qui va vers M', petit s. Donc l'expérience de Michelson-Morley, c'est un peu ceci, hein, c'est de se dire, voilà, je vais émettre trois flèches, disons un flash lumineux, trois rayons, qui partent de O', et qui vont aller se réfléchir oui, non, sur ces petits miroirs que j'ai mis en B', N', N'. Donc les rayons vont bien entendu revenir vers O', oui, et je les appelle encore les rayons R, I et S lorsque ceux-ci reviennent donc vers le centre du wagon. Alors au moment où je vais mettre le flash lumineux, je vais faire correspondre en fait hein, le 0 dans mon wagon avec le 0 par rapport au quai de la gare. Ça, c'est toujours possible, je dirais. Donc, autant T' égale 0, autant. Les deux origines aussi coïncident. Et puis, je vais maintenant étudier, en fait, d'une façon classique d'abord, la propagation de rayons R, I et S. Alors, je vais appeler dans L, oui, donc l'événement O, celui qui correspond à l'émission du flash lumineux. Donc, il y a différents événements que je vais devoir distinguer. Donc, d'abord, il y a l'événement grand O,
l'événement Grand Tour, hein, l'émission du fin cheminement. Puis l'événement Grand Thème, c'est celui lorsque l'avion R va arriver sur le petit miroir de prime. Donc j'aurai l'événement Grand Thème. Pareil, j'aurai l'événement Grand Thème lorsque l'avion S va arriver sur le miroir de prime. Ensuite, l'événement Grand B, qui est celui lorsque le rayon va arriver sur le miroir de prime. Vous ne voyez pas le nombre d'ondes se déplace. Alors par rapport au terme Grand L, hein, eh bien, lorsque le rayon va monter vers le haut, le nombre d'ondes se déplace. Bon, l'événement va bien ici, au point B. Donc, l'événement Grand B. Et ensuite, je dis voilà, puis il y a les retours des faisceaux en prime. Alors là, je dirais que ce sera l'événement Grand R. Puis l'événement grand S retour du faisceau S en O prime et l'événement grand I qui sera retour du rayon I en O prime aussi après avoir été réfléchi par le miroir V. D'accord ? Donc, vous voyez, il y a un grand nombre d'événements que j'essaie de caractériser, je dirais, donc de façon spatio-temporelle. Je vais essayer de trouver les coordonnées de tous ces événements-là et puis les temps auxquels ils ont lieu. Donc, première chose, l'événement grand M. Donc, c'est l'arrivée hein, du faisceau petit r sur le miroir petit m'. Donc, je dis, voilà, le temps auquel cet événement grand M a lieu, ben, c'est le temps Tm. D'accord ? T1, c'est M. Alors pendant l'instant Tm, d'accord, le wagon s'est évidemment déplacé d'une quantité Vtm, de sa vitesse au V, par rapport à la gare. Donc pendant le temps Tm, il s'est déplacé de Vtm. Donc, effectivement, le bord de mon wagon se trouve en moins 2L, donc il s'est déplacé d'une quantité Vtm pendant le temps Tm. Mais mon faisceau lumineux par rapport à l'éther, pendant le temps Tm, il s'est déplacé d'une distance Ctm, où C représente la vitesse, hein, pour parler de la lumière, par rapport à l'éther. Ctm. Et bien entendu, au temps t égale 0, le centre de mon wagon, hein, au prime, se trouve ici, hein, près du 0. Donc je vois qu'en fait, Vtm plus Ctm, ce n'est rien d'autre que la demi-longueur du wagon, c'est-à-dire 2L. Ça, ça se voit bien. Ça part de 0, ici, et puis ça arrive à hein, moins 2L. D'accord ? Donc, Vtm plus Ctm égale 2L, d'où je tire hein, que Tl sera égal à Tl sera égal à 2L divisé par V plus C. Juste ? Ou encore, hein, je pourrais dire, voilà, c'est 2L sur C, fois 1 sur 1 plus D sur C. Moi, j'ai mis ça au niveau. Alors, si je fais l'hypothèse hein, que la vitesse de déplacement de mon wagon par rapport à l'éther hein, vaut 3 cinquièmes, je prends 3 cinquièmes de la vitesse de la lumière, d'accord ? Donc c'est déjà une vitesse très élevée, hein. C'est 6 dixièmes de la vitesse de la lumière. Alors qu'est-ce que je vais trouver ici? Donc je dis, bon, la vitesse de la lumière, hein, c'est par exemple une seconde lumière par seconde. C'est bien comme L, c'est une seconde lumière. Alors 1 plus V sur C, ça va me faire combien? Ça va me faire 1 plus 3 cinquièmes. Alors ça, ça fait 8 cinquièmes. L'inverse, ça fait 5 huitièmes. 5 fois 2, ça fait 10 huitièmes. Et 10 huitièmes, ça fait 5 quarts. Donc tout ceci, c'est égal à 5 quarts. C'est-à-dire, c'est égal à 1,25 secondes. Donc, je répète. Hein, donc, le temps TM, hein, on voit bien comment on le déduit. Donc, c'est ici. Alors, je dis voilà, V égale 3 cinquièmes fois la vitesse de la lumière. Donc V sur C, ça fait 3 cinquièmes. 1 plus 3 cinquièmes, ça fait 5 cinquièmes plus 3 cinquièmes, ça fait 8 cinquièmes. 1 sur 8 cinquièmes, ça fait 5 huitièmes. 5 fois 2, ça fait 10.
huitième, ça fait 5 heures, ça fait 1,25 secondes. Donc, cet événement rencontre du faisceau R, en ce point-là, qui est miroir neutrino, se produit après 1,25 secondes, oui, si je suppose que le déplacement de mon halo vaut 6 dixièmes de valeur de vitesse de la lumière. Bon. Maintenant, je vais m'intéresser à la propagation du rayon S. Donc, je vous rappelle que mon wagon, au départ, le O', hein, se trouve ici en zéro, bien entendu. Et puis, si je dis, voilà, le moment qui caractérise le mouvement N, c'est Tn. Alors, où se trouve le centre de mon wagon après le temps Tn? Ben, le centre de mon wagon s'est déplacé d'une quantité de Tn, bien entendu. Ça, c'est trivial. Ensuite, le faisceau, lui, pendant le temps Tn, se déplace par rapport à l'éther d'une quantité, d'une longueur Ctn. Voici. Donc, ça, c'est le centre de mon wagon, et là, c'est mon miroir, petit n'. Or, cette longueur-là, ça vaut 2L, c'est la demi-longueur de mon wagon. Donc, ceci, c'est 2L. Donc, je vois bien que Ctn moins Vtn, c'est-à-dire ce qui est représenté en vert par ce qui est représenté en rouge, c'est égal à 2L. Je trouve donc que Tn, lui, c'est égal à 2L divisé par quoi? C moins V. C moins V. Donc c'est égal à 2L sur C fois 1 sur 1 moins V sur C. D'accord? Alors, 1 moins 3 cinquièmes, oui, ça fait 5 cinquièmes moins 3 cinquièmes, ça fait 2 cinquièmes. 1 sur 2 cinquièmes, ça fait 5 demi. 5 demi fois 2, ça fait 5. Donc je trouve ici que cet événement Tn, disons l'événement grand N, se produit après 5 secondes. Alors ce que je peux voir aussi à partir de ces formules-là, oui, c'est que, tiens, ici la vitesse apparente de la lumière par rapport au wagon, oui, c'est V plus C. Oui. Et là, c'est C moins V. Et je vois effectivement que, je dirais, étant donné que la lumière allait là, dans le même sens que le déplacement du wagon, mais si je suis dans le wagon, j'ai l'impression que la vitesse se déplace moins rapidement, hein, plus C. Tandis que dans le cas contraire, quand le wagon, je vais la lumière vers la gauche, c'est le contraire, les vitesses additionnées. Donc je vois bien que j'ai bien ce principe de galiléen, hein, d'addition des vitesses ou de soustraction des vitesses. Il n'y a rien d'étonnant. Donc, jusque-là, tout va bien. Ensuite, donc, je m'intéresse à l'événement grand R, donc, qui retourne, en fait, l'événement grand R, c'est le retour de mon faisceau qui est appuyé dans le N' vers O. Mais là, je vois bien que, tiens, pour aller de N' vers O', oui, c'est exactement pareil que pour aller de O' à N', hein, vu que ça se déplace dans le même sens. Donc je peux dire que l'instant auquel va se produire l'événement R, c'est-à-dire retour de mon rayon R au point O', ce n'est rien d'autre d'abord que le temps qu'il a mis pour aller de O' vers N', ça c'était Tn, plus le temps que mon faisceau va aller de N' vers O'. Et ça, c'est comme aller de O' vers N'. Donc je dis que c'est plus Tn. Alors, le temps auquel l'événement S va se produire, c'est-à-dire retour de mon faisceau, hein, S vers le point O', après avoir été réfléchi par N', qu'est-ce que c'est? Ben, le temps d'abord, c'est qu'il aille de O' en N'. Ça, j'avais vu que c'était Tn. Plus l'intervalle de temps qu'il va mettre pour aller de N' à O'. Donc pour aller de N' à O', c'est équivalent à ce qu'avait mis de temps mon faisceau L pour aller de O' en N', hein, vu que c'est la même direction. Donc ici je dis ben, c'est plus Tn. Et je vois que Tn plus Tn, et là j'ai Tn plus Tn, c'est la même chose, donc que Tr est égal à Ts, est égal à 5 secondes plus 1,25 secondes. Ça me fait 6,25 secondes. Donc je trouve que les faisceaux RS reviennent bien au point O' au même moment. Ouais, au même moment. Et ça, c'est en accord avec l'expérience de Michelson-Morley pour le moment, d'un point de vue classique. Ouais.
Tu te poses des questions? Non, ça va. Donc ici, c'est tout simplement, je dirais, une analyse classique de l'expérience de Michelson-Morley, qui fait appel simplement à l'autre composition de la vitesse de la lumière avec celle du déplacement du wagon. Il n'y a rien de sorcier, vraiment rien, rien de bien compris. Bon, maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est regarder ce qui se passe pour le faisceau I, hein, qui part d'O' vers B', et puis qui revient en O'. Donc ça, c'est ce que je fais sur ce diagramme ici. Autant égale 0, j'ai donc émission d'un faisceau I qui se déplace par rapport à l'éther, hein, vous êtes d'accord, dans cette direction-là. Puis il arrive sur le petit miroir B'. Il va se réfléchir, et ensuite il va revenir ici en O', hein, donc là c'est bien en O' en temps t égale 0, et puis là ce sera retour en O', mais au temps TI qui correspond, donc ça c'est mon faisceau I, hein, qui revient sur O'. Alors, pendant l'intervalle de temps TI, hein, de combien s'est déplacé mon wagon? Je le représente en jaune. Cette quantité-ci, hein, qui est derrière donc V fois TI, tout simplement. Alors, par rapport à l'éther, le signal se déplace avec la vitesse C. Si bien que vous êtes d'accord que cette longueur-ci, hein, que je représente, dédoublée, hein, c'est la longueur parcourue par la lumière. Pendant temps TI, ça n'a rien d'autre que CTI. CTI. Maintenant, la distance que vous voyez ici, hein, donc qui va de ce point-ci jusqu'au miroir BT, c'est la largeur de mon wagon, c'est 2L. Et donc, je vais appliquer Pythagore, je vais écrire, voilà, tiens, que le carré de cette distance-ci est égal au carré de celle-ci plus celle-là. Donc, j'ai que C fois TI. Demi, hein, au carré, plus VTI sur 2 au carré, non, plus, je reprends. Donc ceci, j'ai VTI demi au carré, plus 2L au carré est égal à CTI demi au carré. On est d'accord avec ça? Alors, de cette relation, je vais pouvoir en extraire, hein, TI. Donc, je vais mettre TI en évidence. Je vais dire, voilà, TI carré qui multiplie, alors ce sera V carré sur 4. Moins C carré sur 4 est égal à moins 4 L carré, on est d'accord avec ceci. Oui. Alors, si je mets le 4 en évidence, si je mets le 4 en évidence, j'ai ceci. Ou alors je peux mettre ici TI demi au carré. Ensuite je vais diviser, hein, les membres de gauche et de droite par V carré moins C carré. Donc ici par V carré moins C carré. Donc si je mets C carré moins V carré, comme ceci, je change ça. Alors, si maintenant j'enlève le carré, je vais mettre une racine carrée ici. Je vais trouver donc ici que c'est égal à 2L divisé par la racine carrée. Alors là, je vais mettre 1 moins V carré sur C carré. Et là, je divise par C. Juste. Et ensuite, là, comme j'ai un 2, je le multiplie par 2 ici.
J'obtiens 4. Je trouve donc que TI, c'est égal à 4 L sur C, donc je trouve ici que TI, c'est égal à 4 L sur C, fois 1 sur la racine carrée de 3 moins 4 L sur C. Et maintenant, j'aimerais bien évaluer pour la vitesse, le rapport de la vitesse V sur C égale à 3 cinquièmes, ce que vaut ceci. Donc je vais avoir 1 moins, alors 3 cinquièmes au carré, ça va me faire 1 moins 9 25e. Donc 1 moins 9 25e, c'est 25 25e moins 9 25e, ça me fait 16 25e. Donc je prends la racine carrée, ça va me faire 4 cinquièmes. 1 sur 4 cinquièmes, ça fait 5 quarts. Et 5 quarts fois 4, ça fait 5 secondes. Donc je trouve que le retour du faisceau, hein, I, lui, va avoir lieu après 5 secondes. Donc c'est pas en même temps que le retour du faisceau RS, hein, qui lui avait lieu après 6,25 secondes. Donc il y a un problème. Je trouve de façon classique que les trois faisceaux ne doivent pas revenir au même moment. Or, Michelson et Morley, oui, dans leur expérience, eux observent que ces trois faisceaux reviennent au même moment. Hein. Donc je vois que je suis dans l'impasse. Hein. Je ne sais pas rendre compte de cette expérience. Donc, est-ce qu'il y a une question ici sur, je dirais, non, c'est trivial, hein, j'ai vraiment... Mais c'est bien de faire cette description tout d'abord classique pour ensuite pouvoir voir comment Einstein, hein, je dirais, est sorti de... Donc, l'interprétation classique de l'expérience, ça conduit une impasse. Donc, Einstein, lui, dit, il dit ceci, hein. La façon dont on tourne l'expérience, c'est ni de supposer que l'éther est emporté, hein, par le wagon, ni qu'il y ait une contraction du wagon suivant, je dirais, sa direction de déplacement, parce que ça, c'est Fitzgerald et Lorentz qui le supposent. Einstein, lui, il dit ceci qui est vraiment très simple, il dit, mais c'est comme si, par rapport au wagon, la vitesse de la lumière s'était propagée avec la même vitesse dans toutes les directions. Et alors, il fait cette hypothèse, hein, c'est ça, disons, enfin, son hypothèse de génie, il dit, mais voilà, quelle que soit la vitesse d'un système inertie par rapport à un autre, oui, eh bien, la vitesse de la lumière est toujours constante et la même, ça vous sait, quelle que soit la direction, ouais, suivant laquelle elle se propage. Donc c'est vraiment, évidemment, une explication qui se dit, ben oui, alors je comprends tout. Étant donné que je ne vois pas de disparition de franges de lumière, en passant d'une frange lumineuse à une frange sombre, c'est comme si, plutôt que de supposer que l'éther est emporté avec nous, c'est comme si la lumière, en fait, elle se propage avec une même vitesse, suivant toutes les directions, quelle que soit la vitesse de déplacement de mon système d'inertie par rapport... disons un autre système d'inertie. Donc, en fait, Einstein, lui, il rejette cette hypothèse de l'éther et dit qu'on n'en a absolument pas besoin. Si on suppose que, quel que soit le système d'inertie dans lequel vous vous trouvez, que la lumière se propage avec la même vitesse qui est C, 300 000 km par seconde, suivant toutes les directions, eh bien, je peux rendre compte facilement de l'expérience de Michelson et Morley. Mais dit-il, attention, si vous faites cette hypothèse-là, oui, alors il y a un problème, oui, sur... la relativité de la durée. Oui. Je dis, c'est pas possible, il y a à voir par rapport au quai de la gare et par rapport, disons, au wagon, d'adopter le même temps. Il faut adopter deux temps séparés. Tout comme il dit, voilà, l'événement retour du faisceau en O'. Oui. Dans le wagon, ben, ça se passe au même point, c'est en O'. Oui. Je vois bien que par rapport au quai de la gare, c'est pas en O'. Donc là, j'ai vraiment une relativité, hein, de l'espace. Par rapport auquel deux mêmes événements, hein, ont lieu, eh bien, il dit, c'est pareil, il faut relativiser, en fait, la notion de durée. Alors, voilà. Ce petit schéma va vraiment bien vous permettre de comprendre. Je me dis, voilà, si je suis dans le repère L, donc dans le repère des quais de la gare, oui, je vois que l'événement I, bon, je l'ai fait tout à l'heure au tableau, c'est exactement ceci. Lui, donc,
le faisceau I est réfléchi par le petit miroir B', puis revient en O'. C'est ce que j'appelle la normale d'événement I. L'événement O, c'est l'émission de mon faisceau. Et puis j'ai appliqué Pythagore, et j'ai pu écrire que CTI demi au carré, c'est-à-dire le carré de cette hypoténuse, est égal au carré de ce côté-là, plus, vous voyez, le carré de la largeur de mon wagon. Et je dis, là, je travaille avec le temps dans le système L. Maintenant, dans le système du wagon, qu'est-ce qui se passe? Mais dans le système du wagon, c'est comme si, en fait, ce faisceau s'était propagé en ligne droite vers le petit miroir B', qui est remis en O', hein, au même point où je me situe. Et je dis tout simplement, eh bien, le temps qu'a mis mon faisceau pour aller de là en bas doit vérifier cette relation, c'est-à-dire que la distance parcourue qui est ici, c'est la vitesse de la lumière, hein, je prends exactement la même qu'ici, fois l'intervalle de temps qu'a mis mon faisceau pour aller tout en bas, j'appelle cette fois-ci T'I, j'utilise plus TI, plus le même temps, est égal à la distance parcourue par le faisceau, deux fois la largeur de mon wagon, c'est-à-dire 4L. Donc, ça c'est une formule qui va bien mettre en évidence la relativité de la durée. Donc, relativité de la durée, pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, je peux établir une relation entre T'I et TI de la façon suivante. Donc, CT'I, c'est égal à 4L. Alors là, je vois un 2L carré qui apparaît. Donc, j'en déduis donc 2L, c'est égal à CT'I demi. Et que 2L au carré, c'est égal à CT'I demi au carré. Alors, je repars maintenant de cette autre relation-là. Je dis donc que CTI demi au carré plus V, non, est égal à VTI demi au carré plus 2L carré. Donc, plus CTI demi au carré. Lorsque je ferme les nombres, bon, vous voyez que les deux hein, se simplifient. C'est déjà beau, cela. Puis, je vais diviser par C. Donc, si je divise par C, hein, ici, je me duplique sur C. Là, je divise par C. Et j'obtiens finalement que le TI carré multiplie 1 moins V carré C carré est égal à T'I carré, ou encore finalement que TI est égal à T'I fois 1 sur la racine carrée de 1 moins T carré sur C carré. Donc je trouve en fait que les temps que je mesure, oui, donc dans L, entre les événements O et I, n'est pas le même que le temps que je mesure dans le wagon entre ces deux mêmes événements, O et I. Alors, dans ces deux temps hein, que j'ai indiqués là, il y en a un que je peux qualifier de temps propre et l'autre de temps impropre. Alors, c'est quoi un temps propre et un temps impropre? Bien, je dis que un temps propre, oui, c'est un temps oui, que je peux relier, je dirais, à, par exemple, un phénomène biologique, et il faut pour que je mesure que je ne dispose que d'une seule montre, que j'effectue mes deux mesures sur la même montre. Oui. Donc par exemple, quand je vais dire, voilà, il s'est écoulé 5 secondes, comme je mesure sur la même montre, je peux dire, ça c'est un temps propre. Je vieillis pendant ce temps-là de 5 secondes. D'accord? Alors, effectivement, lorsque je mesurais le temps T'I, c'est un temps propre. Pourquoi? Regardez, je suis dans mon wagon en L', en O'. D'accord? Au milieu de mon wagon. Et je dis, voilà, l'événement O, j'ai mis un faisceau au milieu, le faisceau s'en va. Donc là, je regardais, par exemple, au temps T0, le faisceau est parti.
Et puis, il revient après 4 secondes, enfin, dans ce cas-ci, hein, je pense que c'est 4 secondes, ou bien... Non, c'est 3 cinquièmes. Hein, 3 cinquièmes. Donc, 4 fois 5... Je vais évaluer combien ça vaut TI. T'primi, pardon. Donc, T'primi, hein, c'est égal à 4L sur C. Donc, L vaut 1, C vaut 1, donc c'est 4 secondes, en fait. Donc, c'est vrai parce que mon wagon mesure hein, 2 unités de haut, 2 unités pour revenir. Comme la vitesse de la lumière, c'est 1 seconde lumière par seconde. Le temps que mon vaisseau pour parcourir les 2 unités, ça fait 4 secondes, bien entendu. Donc, moi je suis en O'. Au moment où j'ai mes vaisseaux, j'indique 0. Puis le vaisseau va, et puis quand il revient, je suis au même point, avec la même onde. Donc, sur le même onde, je peux mesurer les 2 événements O et I. Oui, ça j'appelle un temps propre. Par rapport au quai de la gare, par contre, oui, lorsque je mesure mon événement O, j'ai une ventre là, bien entendu, mais pour moi mesurer l'événement I, j'ai besoin d'une autre onde séparée, qui n'est pas au même endroit. Et ça, j'appelle ça un temps impropre. Je vois donc que, tiens, un temps impropre, oui, est égal à un temps propre dilaté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la relation de la dilatation du temps. Je trouve que quand je fais, hein, dans ce cas-ci, 1 sur la racine carrée de 1 moins V carré sur C carré, ça me fait quoi? Ça fait donc 1 moins 3 cinquièmes au carré, donc c'est 1 moins 9 25e. 25 moins 9, ça fait 16 25e, ça fait 4 cinquièmes, ça fait 5 carrés. Donc je trouve que TI est égal à T'I multiplié par 5 carrés. Étant donné que T'I, hein, je viens de l'évaluer, donc 4 secondes, je trouve en fait que TI, lui, est égal à 5 secondes. Et c'est ça la relativité de la durée. Donc c'est que dans le rapport qu'est la gare, je trouve que l'intervalle de temps qui sépare O de l'événement I, c'est aux 5 secondes. Et dans mon wagon, ça ne vaut que 4 secondes. Hein? C'est ça la relativité de la durée. Donc Einstein, hein, pour expliquer l'expérience de Michelson-Morley, remet en cause nos notions classiques, hein, de temps et d'espace, tout simplement. Il dit, voilà, il faut adopter un système d'horloge dans un système d'horloge dans un autre système, hein, et puis faire vos mesures d'une façon, je dirais, bien précise. Donc temps propre, c'est lorsqu'on ne se sert que d'une horloge, on a un seul et même endroit. Si on repère 2 éléments qui ont lieu dans 2 endroits différents, on a besoin de 2 horloges différentes. Et là, il s'agira donc d'un temps propre. Et j'attire votre attention donc, sur la relation entre le temps, oui, dans, par rapport à l'espace absolu, hein, de l'événement I et le temps dans le repère enfin, du wagon, d'accord, entre les 2 éléments I, dont la relativité de la durée. Donc, d'une façon, là, je dirais, plus formelle, on représente hein, cette relation-ci au moyen de la suivante. T est égal à taux prime sur la racine carrée de la moins du carré sur C carré, où taux prime, oui, représente un temps propre, ça veut dire mesurer avec une seule et même horloge. Alors, donc, Einstein, lui, pour expliquer, rendre compte de l'expérience de Michelson-Morley, oui, il dit voilà. Donc, on sait bien que si je mets dans le repère du wagon, hein, donc, je regarde, coucou, le mathématicien, si je regarde dans le repère du wagon L', hein, les événements L, donc, le faisceau va là-bas, revient là, il va en haut, il revient, il va là-bas, il revient, comme il a parcouru hein, une distance de 2L fois 2, 2L fois 2, 2L fois 2, avec une vitesse C égale 1, je sais que T' égale T' égale T' est égal à donc la distance divisée par la vitesse de la lumière. Ça, c'est trivial. Donc, ça, c'est très simple à comprendre. Par contre, ce qui est moins évident, Einstein dit ceci. Le TI, hein, on a vu que c'était égal à T'I, hein, donc au 4L sur C, divisé par la racine carrée de 1 moins V sur C carré. Il dit, mais le TI, il est égal aussi à TL et aussi égal à TS. Pourquoi? Parce que l'expérience de Michelson-Morley montre que ce soit par rapport au quai de la gare ou bien dans le wagon, les 3 faisceaux reviennent
au même moment, au point donc, de rencontre. Donc, il impose que TS égale TR égale TI. Donc, TI, on a vu sur l'expression, et donc il dit, voilà, TS égale TR égale TI. Parce que dans l'expérience de Michelson-Morley, on n'observe pas de décalage temporel. Donc, l'événement en haut, l'émission d'un faisceau, les événements M et N, hein, ces rencontres des faisceaux R et S, près du miroir, petit M prime, puis l'événement B, c'est rencontre avec B prime, puis on retrouve ici, c'était l'événement I, et puis le fait que, justement, les événements S, R et I sont simultanés, eh bien, on appelle ça l'événement MM, Michelson-Morley, hein, donc pour bien dire, voilà, ces événements-là, oui, ont bien lieu, quel que soit le système de diversité que l'on considère, et par rapport auquel la vitesse de la lumière est toujours C, quelle que soit la direction de propagation. Bon, regardons là maintenant dans la version d'Einstein, oui, l'expérience de Michelson-Morley. Donc ce qu'on a présenté ici, c'est par rapport donc, à l'éther, par rapport au pied de la gare. Oui. Tout d'abord, l'événement M. Alors l'événement M, c'est donc, je suppose hein, que le point O' se trouve ici, le temps t égale 0. Alors pendant l'instant Tm, ben oui, voilà, la lumière hein, s'est propagée d'une distance Ctm, ça c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Alors il vient se réfléchir sur le miroir, M'. Et puis, en fait c'est aussi ce que j'ai présenté en vert ici pointillé. Et ensuite il retourne oui, vers le point O'. Qui, pendant l'intervalle de temps TI, hein, qui correspond à l'événement I, le wagon s'est déplacé évidemment d'une petite distance VTI, où V est la vitesse de déplacement du wagon. Voilà. Et alors ici, quand je regarde, je vois bien que ce qui est représenté en vert, hein, plus ce qui est représenté en bleu, c'est deux fois, ce qui est représenté en vert, moins le VTI, donc moins ce qui est représenté en bleu, c'est deux fois ce qui est représenté en rouge. On est d'accord ? Donc, deux fois ce qui est représenté en rouge, donc c'est l'aller-retour, c'est bien ce qui est représenté en vert, moins le bleu, donc c'est bien CTI moins VTI. Donc, à partir de cette relation-là, puisque je trouve que TM, donc je reparle de cette relation ici, hein, c'est égal donc à 1/2, bien entendu. Alors, le TI, je peux le mettre en évidence. Donc ce sera C moins V fois TI, et ensuite je dois diviser par C. Donc si je fais 1, moins V sur C. Et alors ici on peut refaire le calcul, on se dit, donc TI on a dit que c'est 5 secondes, donc 1 moins V sur C c'est 1 moins 3 cinquièmes, ça me fait 2 cinquièmes, donc 1 cinquième. Sur 2 ça fait 1 cinquième, TI sur 5 ça fait 1 seconde. Donc, ici, je trouve que l'événement, donc dans le cas d'interprétation einsteinienne hein, de l'expérience de Michelson-Morley, l'événement M, donc le rencontre du faisceau sur le petit miroir M', a lieu après une seconde. Donc, cas de l'interprétation classique, on a trouvé que c'était 1,25 secondes. Donc, déjà une différence. Ok, ensuite, je vais regarder maintenant l'événement N. Donc l'événement N. Voilà, l'événement O. Donc l'événement O, émission du faisceau S vers la droite, puis il vient se réfléchir hein, sur le petit miroir N', et revient au point O', qui, pendant l'intervalle du temps TI, s'est déplacé de VTI. Ça, c'est clair. Donc, pendant l'intervalle de temps TN, la lumière a parcouru une distance représentée en rouge, qui est CTN, bien sûr. Et pendant l'intervalle de temps TI, qu'est-ce qu'il a fait le faisceau? Elle est de là à là, et puis il est revenu au point O'. Alors maintenant, je vois bien qu'ici, que si j'ajoute VTI, donc ce qui est représenté en bleu, à ce qui est représenté en vert, qui vaut CTI, je trouve que c'est deux fois CTN. Donc, 2 fois CTN, c'est donc ce qui est représenté en vert plus ce qui est représenté en bleu. D'où je tire que TN, donc je divise par 2,
égal à 1 plus V sur C fois TI. Donc je remets V sur C 3 cinquièmes. 1 plus 3 cinquièmes, ça fait 8 cinquièmes. Divisé par 4 cinquièmes. 4 cinquièmes fois 5, ça fait 4 secondes. Donc ce que je trouve, oui, c'est que l'événement end, d'accord, il a lieu après 4 secondes. Et tout à l'heure, on avait trouvé 5 secondes. C'est cela. C'était 1,25 secondes, mais là, je trouve que c'était 5 secondes. Plus. Donc là, je trouve 4 secondes. Ça, c'est amusant. Alors maintenant, si je m'intéresse maintenant à l'événement grand R, donc qui est le faisceau qui va par là, et puis il revient donc ici. Mais j'y vais pas pour aller de droite vers la gauche. Hein. Il a mis un temps Tn, puis pour aller de gauche vers la droite, c'est exactement comme le temps Tn. Et je dois trouver évidemment que le temps TR, c'est égal à Cn plus Tn. Alors si je fais Tn plus Tn, hein, je peux le faire algébriquement, je peux dire voilà Tr, c'est égal à Tn plus Tn. Bon, ce serait égal à quoi? Bon, ben là je trouve que je vais avoir 1 demi plus 1 demi, ça va faire 1, ça va faire 0. Et je trouve que ce serait égal à Ti. Ouais. Wow, chouette! Je trouve que TN égale TI. Et pareil, hein, pour TS, bon, TS, je trouverais, lui, que c'est TN plus TN. Donc c'est aussi égal à TI. Donc vous voyez, en relativité restreinte, oui, on retrouve bien que TR égale TS égale TI. Bon, c'est des volumes. Oui. Simplement grâce à cette hypothèse que la vitesse de la lumière se propage toujours avec la même vitesse, quelle que soit la direction, par rapport à un système inertique, quelle que soit. Donc, l'interprétation est beaucoup plus simple. Bon, ici, c'est encore résumé. Donc, regardez bien. Dans L, par rapport au pied de la gare, je considère tout d'abord l'événement O, l'émission d'un rayon lumineux. Donc, vous voyez, c'est le rayon R qui part vers la gauche. Puis, l'événement L, c'est quand il rencontre le petit miroir M'. Bon, la lumière parcourt une distance séquelle, bien entendu. Ensuite, le rayon R revient en O', mais pendant cet intervalle de temps TI, qui correspond aussi à l'événement LN, l'eau va donc se déplacer d'une quantité V TI, et puis la lumière a parcouru un aller-retour, comme représenté ici. Donc, on a simplement obtenu cette première relation en disant voilà, ce qui est en vert voit ce qui est en bleu. Est égal à deux fois ce qui est en rouge, tout simplement. Alors, de l'autre côté, c'est pareil, l'événement O émission de rayon S qui va se réfléchir en petit n'. Donc, c'est l'événement N, puis le faisceau revient. Donc, pendant ce temps-là, la lumière a parcouru une distance Tn, bien sûr. Puis, le rayon S revient en O'. Mais pendant le temps TI, évidemment, l'oiseau s'est aussi déplacé à cette quantité de TI. Mais la lumière a fait un aller-retour, comme représenté ici. Et là, on voit que ce qui est en vert plus ce qui est en bleu est égal à deux fois ce qui est en rouge, qui nous permet d'obtenir cette deuxième relation. Voilà. Alors maintenant, on va accoucher de relations importantes, notamment, quelle est la distance dans L entre l'événement N, donc ceci, et l'événement TN. Donc vous voyez, hein, j'aimerais bien mesurer cette distance-là. Alors c'est très simple, hein, si vous voyez bien le diagramme, je peux dire, mais attendez, là, cette distance-là, oui, ce n'est rien d'autre que cette distance CTN, puis cette distance CTN. Oui. Donc je dis, voilà, la distance entre le point M et N est égale à C fois Tn plus Tn. Et Tn plus Tn, c'est Ti. Donc c'est aussi, ça c'est égal à Cti. C'était aussi évident que, regardez, Cti, c'est ce qui est représenté en bas, par exemple ici, ceci ou cela. Et de remarquer que ce qui est représenté là en bas, en haut,
c'est bien ce qui est présenté ici en rouge. Et ce qui est présenté en vert en bas, c'est ce qui est présenté en rouge ici. Donc c'est bien CTL plus CTL ou bien CTI. Et ça, c'est la distance entre les points M et U. Donc MN, c'est bien la CTI. Et puis, donc, je peux reprendre le TI à partir de cette relation-ci. Je dis aussi, c'est égal à CT'I divisé par la racine carrée de 1 moins V carré sur C carré. Donc, CT'I, c'est la distance parcourue par la lumière pour aller de O' en B' à venir en O'. Ça, c'est 4L. 4L sur C. Donc, C fois T'I, c'est 4L sur la racine carrée de 1 moins V carré sur C carré. Et ce qui est important ici, c'est de remarquer la distance, enfin, non, les relations qui relient la distance entre les éléments M et N, oui, et puis la distance qu'il y a dans le wagon entre le point M', le miroir M', et le miroir M', qui est 4L, c'est deux fois la distance du wagon. Oui. Donc je vois, ça c'est amusant aussi, hein, que la distance mesurée entre ces deux éléments dans le repère de la gare n'est pas la même que la distance mesurée entre ces deux éléments, oui, dans le wagon. Alors ça conduit à ce qu'on va appeler la contraction des longueurs. C'est-à-dire que je pourrais écrire cette relation sous la forme suivante, c'est que 4L est égal à N fois N multiplié par la racine carrée de 1 moins V carré sur C carré. Alors ici, essayons bien comprendre ce que ceci représente. Hein. Donc, ici, je suis sur le quai de la gare, oui, d'accord, puis je dis, voilà, j'ai un événement N qui a lieu là, c'est le moment où, en fait, le faisceau se réfléchit sur le petit miroir M'. Et puis, l'événement, voilà, je le place, l'événement grand L. Et puis, sur le quai de la gare, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je mets ici, hein. Je prends une lumière, là je mets un petit miroir, donc je dis bien, par contre, au quai de la gare, pardon. Là j'ai une montre, puis au moment où le temps est zéro, pouf, j'ai mis un flash lumineux, il va se réfléchir, il revient là, puis je regarde sur ma montre, au même point là, combien de temps a mis le vaisseau pour faire l'aller-retour. Supposons que ce soit, j'invente 10 secondes, et ça veut dire que la distance est 5 secondes lumière. Hein, 5 secondes pour aller, 5 secondes pour aller. Donc là, je comprends très bien comment je mesurais MN. C'est une distance propre. Mais imaginez que je suis dans le wagon, hein, dans la TGV, et qui va beaucoup plus vite que le TGV, hein, c'est pas 300 ou 400 km par heure, c'est donc 3 cinquièmes de la vitesse de la lumière, hein, donc 6 dixièmes, donc c'est 180 000 km par seconde. Hein. Puis bon, il va de ça déjà dans le TGV, si on essaie de repérer des balises sur le quai, c'est impossible, ça va trop vite, on n'a pas le temps. Donc, je pourrais me demander, donc imaginez, je suis dans le TGV, à 180 000 km par seconde, hein, comment je vais faire pour mesurer la distance entre ces deux bornes que j'ai représentées sur le quai de la gare, hein. Bon, ben, la seule façon de faire, c'est la suivante. Alors, supposons que le TGV soit plus grand que cette distance-là, et que je dispose dans le TGV d'un grand nombre d'observateurs. Oui. Donc, supposons que j'ai même une infinité d'observateurs qui ont tous des montres. Oui, tous des montres. Et toutes les montres de ces observateurs dans le TGV sont synchronisées entre elles. Donc, elles marquent toutes le même temps. Hein. Ça, c'est facile à réaliser. Puis je dis, voilà, la façon pour moi de mesurer la distance entre M et N, comment je vais opérer? C'est de la façon suivante. Je vais dire, voilà, à tous mes observateurs, un temps bien précis, regardez si vous avez la borne en face de vous, oui ou non. Hein? Si vous l'avez, vous me le dites, sinon, vous me le dites. Alors, il y en a un qui est ici. Bon, autant, supposons, l'horloge marque 10 secondes. Tous regardent ce qu'ils ont dans eux. Lui, il ne voit pas la borne. Je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas. Ah, moi, je vois la borne. Oui. Puis, je regarde dans le train où je me situe, ben moi je suis évidemment près du miroir M'. Oui. Alors l'autre observateur ici, bon, il ne voit pas, lui il dit, ah, autant, 10 secondes, je vois aussi la borne.
lui, en N prime. D'accord ? Et ce que je sais dans le wagon, c'est que la distance entre lui et elle, c'est 4L. Oui ? C'est la longueur du wagon. Donc vous voyez, ça c'est une mesure impropre. Une mesure impropre est une mesure propre fois un facteur de contraction qui vaut, je pense, donc, lorsque vous mettez la 3/5, ça fait 1 moins 9 25e, ça fait 25 moins 9, ça fait 16 25e, ça fait 4/5. Donc ce facteur de contraction, il vaut 4/5. Donc si vous voyez, par rapport au quai de la gare, la distance entre N et N vaut 5 unités. Parce que 5 fois 4/5, ça me fera bien 4 unités. Dans le wagon. Donc, là que vous avez vu ici une contraction des longueurs, là-bas c'est une dilatation du temps. Et bon, on peut comprendre aisément. Ensuite, là, un autre point, une autre relation importante, donc à part celle-ci, c'est justement la relativité de la durée. Donc, c'est, si je mesure la différence entre le temps par rapport au quai de la gare, hein, auquel a lieu l'événement N, et le temps auquel a lieu l'événement M, eh bien, je vais trouver qu'ils ne sont pas simultanés. Alors que dans le wagon, vous êtes d'accord, je suis dans le wagon en O', oui, j'ai ma flash lumineuse, mes faisceaux RS vont en N' et N', mais il est évident que ces deux événements N' et M', enfin grand N et N, ont lieu au même moment dans le wagon, oui, vu que je suis situé exactement à la moitié des deux extrémités de mon wagon. Donc, dans le wagon, les événements N et N sont simultanés. On est d'accord avec ça. Donc, le delta T égale 0. Eh bien, le delta T, par rapport au quai de la gare, oui, c'est pas égal à 0. En effet, Tn moins Tn, qu'est-ce que c'est? Alors, je vois bien que, ici, hein, Tn, Ctn, hein, c'est ceci. Donc, c'est ce qui est présenté en vert ici. Donc, je vois bien que Ctn moins Ctn, c'est le Ti, en fait. Oui. Donc, je vais écrire hein, que Ctn, Ctn moins Ctn, qui est égal à Vti. Je vois bien géométriquement. On le voit algébriquement, vous pourriez faire Tn moins Tn. Hein. Alors, allons-y aussi, c'est pareil. Hein. Si je fais Tn moins Tn, qu'est-ce que je trouve? Et je vais trouver 1 demi moins 1 demi, et puis je trouve 1 demi V sur C moins 1 demi V sur C, ça va me faire V sur C fois Ti. D'accord? Donc je trouve que T moins Tm c'est V sur C fois Ti. Alors Ti, je trouve, à partir d'ici, hein, à partir d'ici, c'est dans ce sens-ci, que c'est M sur C. Donc, Ti c'est Mn sur C, donc ceci c'est V sur C carré fois Mn. Donc c'est cette relation que vous avez ici. Je trouve donc que, par rapport au quai de la gare, oui, deux événements simultanés dans le wagon oui, présentent un défaut de simultanéité par rapport au quai de la gare, qui est Tn moins Tn, et qui est d'autant plus grand que la distance entre ces deux événements-là est grande. Donc, plus en fait mon wagon aurait été grand, bien plus le défaut de simultanéité par rapport au quai de la gare aurait été élevé. Puis ça dépend aussi évidemment de la vitesse relative du wagon, d'accord, par rapport à l'espace absolu. Donc ça c'est un défaut de simultanéité. Tn moins Tn égale V sur C carré fois Tn. Donc maintenant, on possède en fait tous les éléments pour pouvoir établir ce qu'on appelle les transformations de Lorentz. Et donc, je continue. Donc, petit résumé. Hein. Donc, dans L, je regarde l'événement I. Tout d'abord, l'événement O. Hein. Donc, l'émission du faisceau I, qui va se réfléchir là-bas, correspond à l'événement B. Et revient, donc, petit O', qui s'est déplacé ici, c'est constitué l'événement I. Dans L', bah, oui, là c'est beaucoup plus simple. L'événement O, c'est l'émission du rayon vers le haut, qui va se réfléchir ici, et puis qui revient là. Et c'est l'événement O. On a vu en appliquant la règle de Pythagore, oui, cette construction va permettre de mettre en évidence en fait, la relativité de la durée.
étant donné que ceci, hein, c'est c'était pris i, tandis que ceci, c'est c fois t i. Voilà, tout ça on l'a vu tout à l'heure. Donc c'était juste un résumé. Enfin, là, dernière fois, je vous présente CTM, CTM. Puisque fait le question réfléchie, CTI d'un côté, CTI l'autre. Et puis, bon, évidemment, le wagon, pendant le temps, TI s'est dépassé de ceci. Et toujours, hein, géométriquement, en disant, voilà, ici, ce qui est représenté en vert, moi, ce qui est représenté en bleu, c'est deux fois CTM, tandis que là-bas, c'est. On ajoute ces deux fois CTM, on obtient donc toutes les relations qu'on vient d'établir. Avec notamment donc, le concept de tout d'abord dilatation du temps, contraction des longueurs, défaut de simultanéité de deux éléments. Alors donc, comme je disais, maintenant, on a tous les éléments qu'il faut pour établir les transformations de Lorentz. Dans les transformations de Lorentz, c'est relié, hein, le temps, un temps par exemple d'un événement dans L' qui correspond aux coordonnées x'T', à ses coordonnées dans L qui va x7. Donc quelle est la relation entre les deux? Alors voilà, donc dans L', hein, je considère tout d'abord l'événement numéro 1. Qui est l'événement O, c'est-à-dire l'émission d'un flash lumineux, par exemple, hein, à l'instant t égale 0, t prime égale 0. Donc, dans L, le temps t vaut 0, et la coordonnée vaut 0. Hein, c'était, disons, lorsque le centre de mon wagon correspondait avec la valise 0 par rapport à la gare. Dans L prime, bah oui, je suis en O prime, donc je mets mon horloge à 0. Et je suis en x' égale 0. Puis, là, je considère dans L' un événement, numéro 2, qui aura pour coordonnées x' et t'. Et ce que j'aimerais bien connaître, c'est quelle est la relation qu'il y a entre le x et le t de cet événement numéro 2. D'accord? Alors, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Alors, comment on procède-t-on? Eh bien, on va invoquer un événement numéro 3, qui est le suivant. Oh, pardon. L'événement numéro 3. C'est un événement que je choisis être localisé dans L' en 0, en x' égale 0, c'est-à-dire en O', au centre du wagon. Oui. Et puis, là je prends, vous voyez le T' d'ici, de cet événement numéro 2, et je dis, ça c'est un temps propre. Pourquoi? Quand je regarde l'événement 1 et l'événement 3, on est bien d'accord qu'ils ont tous les deux lieu en un même point du wagon, en x' égale 0. Donc je peux me servir d'une seule horloge, en O'. Oui. C'est par exemple l'émission de rayons lumineux qui va vers le haut et puis qui va vers le bas. J'ai l'intervalle de temps écoulé, c'est T', mais comme c'est mesuré sur une seule et même horloge, c'est un temps propre. Donc je peux l'appeler T'. D'accord? Alors. Pour cet événement 3, oui, que vaut x3? Donc, que vaut x3? Donc, la coordonnée x, hein, par rapport au quai de la gare de l'événement numéro 3. Ouais, c'est simple. Hein. Je sais que si ça c'est un temps propre, oui, je peux dire tout d'abord bah, que le temps t3, oui, c'est un temps impropre qui est tout simplement taux prime sur la racine carrée de 1 moins v carré sur c carré. Donc vous voyez, pour trouver le temps t3, j'ai fait usage, oui, de la dilatation du temps. Parce qu'effectivement, dans L', ces deux événements-là, hein, sont colocaux, hein, ils sont mis en un même lieu. Je peux me servir d'une seule horloge pour mesurer le temps qui sépare les deux événements, qui était T'. Donc, L, oui, le temps que je mesure, c'est un temps impropre. Et la relation entre ces deux temps, comme je disais tout à l'heure, c'est T3 égale T'. Bon. Et pendant l'intervalle de temps T3, où se trouve localisé mon événement numéro 3? Je vous rappelle, il a toujours lieu en O'. Hein,
par x prime égale 0. Donc, c'est comme le sens du wagon qui se déplace, mais pendant le temps t3, il se sera tout simplement déplacé de la quantité vt3. Donc, il sera égal à v fois t' sur la racine carrée de 1 moins v carré sur c carré. Voilà. C'est ça, c'est ça. Donc, est-ce que quelqu'un a, disons, une difficulté quelconque à comprendre ceci? Je pense pas. Donc, je dis, voilà, le problème, c'est de trouver la relation entre ces coordonnées-là et celle-ci. Donc, j'invoque un événement numéro 3. Et l'événement numéro 3, il est colocal par rapport à l'événement numéro 1, c'est-à-dire au même endroit. Ce qui veut dire que je peux me servir sur l'horloge, là je mesure un temps propre. C'est-à-dire que par rapport à la gare, je fais usage de la relation de dilatation du temps pour trouver T3. Et comme, disons, cet événement où il y a lieu en O', pendant le temps T3, ben, mon wagon s'est déplacé d'une distance vers T3. Donc, la coordonnée qui reflète cet événement par rapport au quai de la gare, c'est bien V fois T3. Donc, V fois ton prime sur racine carrée de 1 moins V carré sur 5. Oui. Et maintenant, ce que je vais faire, regardez bien, je vais comparer l'événement 2 et l'événement 3. Alors, qu'est-ce que je trouve là pour ces deux événements-là? Vous êtes d'accord, ils sont simultanés. Les événements 2 et 3 sont simultanés. Mais ils ont lieu en des points différents. Donc c'est comme comparer tout à l'heure les événements M et N. Oui. Les événements M et N, vous êtes d'accord, ils étaient simultanés dans le wagon, mais ils avaient lieu en des points différents. Alors, je vais tout d'abord dire, oui, donc j'essaie de voir ici la relation que je pourrais utiliser. Je vais certainement utiliser la relation de défaut de simultanéité. Ces deux éléments étant simultanés dans le wagon, ne le sont pas par rapport au quai de la gare. Donc qu'est-ce que je peux dire? Ben, je peux dire que T moins T3, ce ne sera pas égal à 0. T moins T3, ce serait égal à V sur C carré. Ce serait égal donc à V sur C carré. V sur C carré. Fois Mn, la distance entre mes deux éléments. Mais la distance entre mes deux éléments, on est bien d'accord, c'est x moins x3. Oui. Là, par rapport au quai de la gare. Donc le x3 là, je vais le reprendre de là, hein, donc je vais dire voilà, t moins t3 est égal à v sur c carré multiplié par x moins x3 c'est moins vt prime sur la racine carrée de 1 moins v carré sur c carré, comme ceci. Alors, mon T3, je le reprendrai de là. Et maintenant, je vais aussi utiliser hein, la relation de la contraction des longueurs. Donc, la contraction des longueurs, vous voyez, c'est de dire, voilà, une distance propre et reliée à une distance impropre, on voit une relation ici. Alors, qu'est-ce qu'il peut me dire, donc, si je compare les événements 2 et 3, quelle est la distance propre et quelle est la distance impropre? Donc en fait, le BMN, hein, je vais l'identifier à quoi ici là. Donc mon BMN, qui est une distance propre. Ce sera, j'entendais, hein, x moins x3. Oui, juste, ce sera ma distance propre. Et la distance impropre, ben, c'est celle que j'ai mesurée dans le repère où il y avait simultanéité des deux événements, comme tout à l'heure. Hein. Vous vous rappelez, le 4L, c'était une distance impropre. Monsieur dans le wagon, donc je peux dire, ben oui, 0 moins x', ou plutôt x' moins 0, c'est la distance impropre. Donc allons-y, cela, donc j'écris que x' moins 0 est égal à la distance propre, comme on l'a vu tout à l'heure, x moins x3, multiplié par la racine carrée de 1 moins v carré sur c carré. Donc, le x3, je le reprends de là-bas, c'est
VT prime sur la racine carrée de 1 moins V carré sur C carré. Et puis tout ça, je dois le remultiplier par la racine carrée de 1 moins V carré sur C carré. C'est juste ou pas? Il me semble. Alors, je vais extraire d'ici le x. Hein. Donc, par exemple, je peux diviser tout simplement ici par la racine carrée de 1 moins v carré sur c carré. Donc, ici, je divise aussi, hein, bien entendu. Je divise sous les bornes. Et je vais trouver donc mon x. D'accord, donc ça c'est la première relation des transformations de Lorentz. Alors ce que je vois, ça c'est amusant, si je fais tendre V sur C vers 0, hein, je fais tendre V sur C vers 0, c'est-à-dire ma vitesse, la vitesse de TGV est très faible. Donc le V sur C carré va être négligeable devant le 1. Donc ma racine carrée ici ça va tendre vers 1, et j'obtiens que X égale X' plus VT'. Et ça c'est la transformation de Galilée. Oui. Entre les coordonnées spatiales temporelles d'un système et d'un autre. Donc, la transformation de Lorentz me restitue, en fait, hein, ça c'est intéressant, la transformation de Galilée lorsque les vitesses de déplacement de ma référentielle sont petites par rapport à la vitesse de la lumière. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à établir. Donc, ça c'est la première relation de transformation de Lorentz. Maintenant, la deuxième, bah, je vais repartir d'ici. Hein. Donc, je vais peut-être retranscrire ici, T moins T prime. T moins T prime sur la racine carrée de 1 moins V carré sur C carré est égal à V sur C carré fois X, et V sur C carré fois X moins VT' sur la racine carrée, j'imagine. Sur la racine carrée, 1 moins V carré sur C carré. Alors, mon X, je peux le reprendre de la relation précédente. Dans mon X, hein, j'ai trouvé que c'était égal à X' plus VT' sur la racine carrée, donc 1 moins V carré sur C carré. Alors, il va venir que ce serait égal aussi à V sur C carré. Dans le X, donc je fais ce même dénominateur. Donc, mon VT' et mon moins VT' ont disparu. Il va en rester ici tout simplement X' sur la racine carrée de 1 moins V carré sur C carré. Comme ceci. Et finalement, que T sera égal à T'. Plus V sur C carré fois X prime, le tout sur la racine carrée de 1 moins V carré sur C carré. Et ça, c'est la deuxième relation des transformations de Lorentz, vous voyez, qui relie les coordonnées X prime et T prime à la coordonnée T. Donc, ça, c'est la première relation que vous voyez là-bas, en bas à gauche. Et maintenant, la deuxième relation. Alors ici, de même, hein, supposons que V sur C carré soit... Donc V sur C soit beaucoup plus petit que 1. Ouais. Donc on va trouver alors que T est égal à quoi? Bon, à T'. Alors, V sur C carré, c'est encore beaucoup plus petit que 1. Ouais. Bien vu que c'est V sur C divisé par C. Donc je peux dire, ok, ça c'est 0. Et là, j'ai 1. Donc, je retrouve que T égale T prime. Oui. Donc, la relation de transformation de Lorentz à seconde, oui, me restitue, en fait, oui, ce que j'avais dans le système galiléen, que le temps est universel. Quel que soit le système de diastie que je considère, le temps T est égal au temps T prime dans un autre système. Donc, ça, c'est encourageant. Donc, maintenant, si on essaie d'établir les relations de transformation de Lorentz à l'inverse, comment vous trouvez donc les coordonnées x' et t' à partir de x et t? Bon,
La façon la plus immédiate de procéder, c'est de se dire, ben, là j'ai deux équations, deux inconnues, il suffit que j'inverse mes équations et je retrouverai bien, hein, disons, la solution. Alors le physicien, il procède différemment. Il dit, voilà, mon wagon, je supposais qu'il était en vitesse de déplacement V par rapport à l'étale, oui, ou par rapport au quai de la gare, pardon. Ça revient, par exemple, à supposer aussi que, tiens, c'est le quai de la gare, oui, qui s'éloigne de mon wagon avec une vitesse moins V. Donc ce que je fais, tout ce qui n'est pas primé, je vais le primer, tout ce qui est primé, je vais le déprimer, et le V, je vais le remplacer par moins V. Vous voyez, donc c'est facile, hein, non ? Voilà, je fais ça, donc qu'est-ce que j'obtiens ? Vous voyez, tout ce qui est primé, tout ce qui n'est pas primé, je le prime. Là, c'est déprimé, donc je le déprime. Puis le V, je remplace par moins V. Pareil ici, le V devient moins V. Et voilà, j'ai déjà mes transformations à V. Bien entendu, quand je prends V sur C au carré, que ce soit moins V sur C au carré ou V sur C au carré, c'est la même chose. Donc voici les relations transformation inverse. Et alors finalement, ce que j'aimerais ajouter, hein, c'est que donc Einstein, lorsqu'il a trouvé ses transformations de Lorentz, oui, donc c'était ça son trait de génie, hein, ça a été de dire, voilà, je remets en question nos notions de temps et d'espace, surtout de temps. Hein, que si on a l'idée, le temps est absolu. Einstein dit, ben, pour m'expliquer l'expérience de Michelson-Morley, quoi, oui, je suppose que la vitesse de la lumière est invariante, suivant toutes les directions, quel que soit le système d'inertie que j'utilise, mais alors je suis obligé de remettre en question, oui, la relativité de la durée. Hein. Et c'est pourquoi il a introduit un temps T' dans L', qui est différent du temps T dans L'. Si vous ne faites pas ça, vous ne vous en sortez pas, bien entendu. Mais alors, quand il a fait ça, et ça c'était miraculeux, c'est qu'il a trouvé en fait que les équations de Maxwell, hein, les équations de Maxwell, oui, sont invariantes par rapport aux transformations de Lorentz. Donc les équations de Maxwell, oui, sont toujours vraies, quel que soit le système d'inertie que l'on considère. Et ça, c'était un défaut de la physique classique, c'est que sous l'effet d'une transformation de Galilée, les équations de Maxwell ne restaient pas invariantes. Oui. Et cela a incité les physiciens à supposer qu'il existait un éther par rapport auquel les équations de Maxwell, et seulement par rapport à lui, étaient valides. Oui. Donc, elles étaient valides par rapport, par exemple, à un système d'inertie lié aux étoiles, et puis on trouvait que dans un autre système d'inertie, elles n'étaient plus valables. Et Einstein dit, ça c'est pas beau, oui. Ça manque, je dirais, de beauté. Il dit, moi j'aimerais bien des transformations entre systèmes d'inertie qui soient telles que elles laissent invariantes pas seulement les lois de la mécanique, mais aussi toutes les lois de la physique. Oui. Et donc, effectivement, ce qu'Einstein donc, est parvenu à faire, c'est de montrer que sous l'effet des transformations de Lorentz, les lois de la mécanique seront invariantes, les lois de l'électromagnétisme seront invariantes, toutes les lois. Oui. Alors pourquoi restreindre? Parce que ce n'est vrai que par rapport à des systèmes d'inertie, donc des systèmes en mouvement rectiligne uniforme les uns par rapport aux autres. Einstein trouve que ça, c'est trop restreint. Il n'aime pas ça. Il dit, moi je veux, plus tard, accoucher, hein, d'une théorie qui soit telle que toutes les lois de la physique, les lois de la mécanique, soient invariantes par rapport à tout changement de coordonnées, quel que soit le système que je vais considérer, qu'il soit d'inertie ou pas d'inertie. Hein. Et ça, c'est la relativité générale. Oui. Donc, ici, c'est déjà une belle étape. Il montre l'invariance de toutes les lois de la physique, de lois de la mécanique, hein, par rapport aux transformations qui sont simples. Et puis aussi cette notion de relativité de la durée, hein, qui n'était pas, enfin, qui était inexistante dans le cadre de la mécanique newtonienne et mécanique galiléenne. Et donc c'est beau. Ah, mais il ne s'arrête pas là, il dit c'est restreint en physique, parce que ce n'est vrai que par rapport à des systèmes d'inertie. Moi, j'aimerais bien approcher d'une théorie telle que les lois de la physique soient invariantes par rapport à toute transformation de coordonnées, oui, de temps, oui, que mon système de référence soit d'inertie ou pas d'inertie. Oui. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment fabuleux. Quoi. Alors, dans les notes, dans les liens, hein, il y a aussi deux annexes que vous trouverez où j'ai repéré tous les événements, hein, O-N-N-R-S-I, oui. Tout d'abord, suivant l'interprétation classique, et donc vous voyez les temps 1,25 secondes, 5 secondes, etc., y apparaissent.
Il y a ensuite aussi une annexe 2, où on retrouve alors tous ces temps-là, qui sont en accord avec l'expérience de Michelson-Morley, hein, qui vérifie que TR égale TS égale TI, égale, et aussi dans L', T', R égale T', S égale T'. D'accord ? Donc voilà, c'est terminé pour ce cours du jour.